Coucou mes petits mochi, on se retrouve pour une nouvelle journée au Japon et aujourd'hui on va aller à Kyoto, donc c'est parti, on va aller prendre le train, on va se prendre un petit déj en passant et on va aller voir ce que vaut Kyoto. J'ai tellement hâte, c'est parti! Les vlogs risquent d'être beaucoup moins beaux dans les prochains vlogs. On est même pas à la moitié du séjour et j'ai plus d'appareil photo, je suis juste dégoûtée. Bref, du coup là on a fait un petit bout du chemin du Fushimi Inari. À la base on voulait monter jusqu'en haut mais comme on arrivait tard, on s'est dit qu'on allait repartir plus tôt que prévu parce qu'on va aller faire le café à l'outre et qu'on veut pas y aller trop tard sinon on va faire trop la queue. Donc là, on va essayer d'aller manger. Le chemin du retour est beaucoup plus calme. Les qualités de ces vidéos pourries, quoi. Je sais même pas si je peux diminuer la luminosité là-dessus. C'est vraiment une catastrophe. Je suis dégoûtée. En plus, dès que je marche, ça bouge à donf. On va goûter nos premiers takoyaki. Ah, et vous? Ah, et vous? Et ben, c'est hyper hyper bon. Par contre, c'est brûlant. Et Rémi est perturbé parce qu'il y a la bonite qui bouge. La bonite s'est séchée, ça bouge quand c'est chaud comme ça. Ça m'avait déjà fait le coup sur un okonomiyaki. Et Rémi en mode, mais laissez posséder. Le petit dessert de la glace pilée à la fraise. Nom 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 nom. T'en as pris un au haricot, c'est chaud. Oui, je voulais un au haricot. Non, c'est une nouvelle, la crème. Ah oui, mais j'ai demandé au haricot, non. Tu peux le tenir en fait. Et ben, il y a la crème. Mais non. Ah, ah non. Il y a la crème de haricot rouge. La crème de haricot rouge. Comme ça j'ai raison. Et toi c'est bon? Je sais pas, vu que tu filmes mon cou, je sais pas si c'est bon. C'est bon? Ah ouais, ça va, miam. Du coup on est reparti de Fushimi Inari et là on est dans Kyoto même et on va essayer de trouver un bar à animaux. Ce sera la pure surprise, vous allez voir quels animaux c'est, mais si on arrive ça va être trop mignon. Thank you.
Il y a un truc avec tes chaussures. Ouais, je pense. Le café des loups, c'était beaucoup trop mignon. Elles sont hyper douces, en fait c'est un truc de dingue comment le pelage est super doux. Par contre elles sont aussi très vivaces. On a du mal en vrai à jouer avec eux et à les toucher, mais c'était tellement chou. On a pu leur donner à manger, à boire, tout ça, c'était vraiment génial. Et voilà, je suis trop contente. Et toi, tu m'as pensé quoi? C'est génial. C'est trop chaud, hein? Oui. C'est tout doux. C'est plus doux qu'un poil de cul de phoque. Tu as touché le poil d'un cul de phoque? Oui. Ah j'avais des gants en poil de cul de phoque. C'est très doux. Mais c'est dégueulasse. Phoque? Mais non, mais c'est... Oh. Vas-y, montre-nous ce qu'il y a à manger. Tes fesses ? Non, je m'en fous de tes fesses. Ah oh ouais. C'est trop mignon. Ça va l'air trop chou. Mais bon, on va pas manger maintenant. Milk with roll cake. Ah ouais, ça a l'air bon ça. Brûlé musical. Moi je pense que je vais prendre ça. Et toi ça? T'as dit quoi? Ça. Ça? Comment... Bon si tu prends ça, je vais prendre ça alors. Comment elle m'impose les choses Non, je crois que t'avais montré ça. Attends, là c'est quoi? Berry parfait. Bah, moi je vais prendre celui-là si tu prends celui-là. Comme ça on pourra goûter à tout. Regardez-moi la beauté de ces plats. Trop kawaii. Marque ton assiette. Trop chou, j'adore, c'est trop mignon. Non. Je vais devoir le manger, pauvre petit. Je sais même pas comment faire, je vais lui casser son oreille. C'est où le début ? Montre-le, on l'a pas vu. Seul truc Alice dans la boutique, est-ce que vous pensez que c'est un signe? Est-ce que je devrais prendre ça à Rox?
le café, on et s'est dit qu'on... C'est trop des excuses pour manger. Non. Elle me dit que ça va être moi qui veux vouloir manger. Mais qu'on se calme. C'est pas vrai. Et pourquoi tu mets un du blanc sur la gueule? Regarde, je suis tout blanc sur la gueule. Il était plus blanc. Donc après le Cinnamoroll Café, on a dit qu'on allait un petit peu faire nos calories. Et on a été faire un petit tour au quartier Gion. Gion. Vas-y, redis. Gion. Gion. Qui est un quartier un peu plus traditionnel, avec beaucoup, beaucoup. Ça a l'air trop bon. Avec beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et j'ai acheté des sakura salés pour faire du riz. Bref, et du coup, là, il y a un petit temple, donc on est en train de faire un tour dans le temple. Voilà, voilà. Aura-t-il une bonne ou une mauvaise fortune? C'est quelle couleur? Moi. Ah oui, non, c'était. T'as pris Life Fortune. Bonne nouvelle, l'appareil photo refonctionne. Oui, oui, oui. Je peux des sous de bras aussi parce qu'il faisait trop chaud et que j'ai transpiré. Pourquoi tu te mets à poil? J'ai chaud. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté aujourd'hui. Bah, je croyais que tu faisais un haul qu'à la fin. Mais je vais quand même en faire un là. Attendez. Alors, déjà, on a fini au Pokémon Center en fin de journée. Le chéri, il s'est pris un petit truc pour mettre sur la valise en forme de... Evoli ! Voilà. J'ai tout nu ? T'es pas tout nu, t'es juste torse nu. J'ai pris la petite pièce Pikachu de Kyoto. Vous voyez que dalle, mais c'est pas grave. Et mon chéri m'a offert une peluche de Bulbizarre parce que c'est mon chouchou Bulbizarre. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs Bulbizarre. Ici, quand on a été à Kyoto, on s'est pris ce petit truc de carte 3D à monter. Vous voyez, il faut le faire soi-même. Et en souvenir de Kyoto, on s'est pris un petit aimant. Trop mignon, du Fushimi Inari. Et pour finir, toujours à Kyoto, je me suis pris ces petites sakura. Et en fait, on peut les mettre dans le riz. Ou même dans le thé, je crois. Non, c'est pour le riz. Enfin bref, des petites sakura comme ça. Voilà! Bon, puis comme le Cinnamoroll Café, ça nous a coûté un petit peu cher. Du coup, on a encore fini chez, chez Family Mart ce soir. Non, c'est... oui, c'est fait chez Family Mart. Parce que voilà, puis en plus j'ai pas très très faim, donc on s'est dit que ce serait l'idéal. Donc on va manger après. Le petit repas du soir pour moi et pour le chéri. Et sur ce, je vous fais des gros bisous mes chatons et je vous dis à demain pour... C'est la surprise, vous verrez bien.